Ascendant Capricorne, ça change pour votre signe. Après avoir calculé votre ascendant, vous avez découvert que votre signe est lié à celui du discret Capricorne, 23 décembre à 20 janvier. Mais en fait, que signifie être ascendant Capricorne? Comme nous l'avons vu pour l'ascendant Sagittaire. L'ascendant d'un signe peut influencer votre caractère de façon plus ou moins forte. Découvrez signe par signe l'influence de l'ascendance du Capricorne. L'ascendance du Capricorne sur le signe Bélier, 21 mars à 19 avril, peut être apaisante. Le Capricorne est plutôt calme, ce qui peut être bénéfique pour les natifs du signe Bélier souvent trop pressés. Pour en savoir plus sur les Béliers, découvrez en amour, qui va faire craquer les Béliers? Les émotions ressenties par le Taureau, 20 avril à 20 mai, pourront être plus facilement domptées grâce à l'ascendance du Capricorne. Ce dernier est en effet réputé pour être stable et tranquille. Pour en savoir plus sur l'amour et les Taureaux, découvrez Femme Taureau, comment plaire à cette grande sentimentale? Ce qui manquait aux Gémeaux, 21 mai à 21 juin, pour développer encore plus son esprit ingénieux. C'est un côté davantage discipliné. L'ascendance du Capricorne lui sied parfaitement. Pour en savoir plus sur les Gémeaux, découvrez Femme Gémeaux, son homme idéal en portrait robot. L'ascendance du Capricorne va permettre au Cancer, 22 juin à 22 juillet, de sortir de sa coquille. Doté d'une force tranquille, il pourra plus aisément faire face aux aléas de la vie. Pour en savoir plus sur les cancers, découvrez quelle est la vraie personnalité du cancer. Si le côté mystérieux du Capricorne offre au Lion, 23 juillet à 22 août, encore plus de charme. C'est peut-être parce que son ascendance lui apporte aussi de la légèreté et une bonne dose de sincérité. Pour en savoir plus sur les Lions, découvrez comment vivre au quotidien avec une femme Lion. Le Capricorne et la Vierge, 23 août à 22 septembre, sont tous deux méthodiques et exigeants. Sous cette combinaison se cache un être perfectionniste qui pourrait réussir de belles choses. Pour en savoir plus sur les Vierges, découvrez de quel signe la Vierge doit se méfier. Bien qu'équilibrée, la Balance, 23 septembre à 23 octobre, a parfois du mal à révéler qui elle est vraiment. L'ascendance du Capricorne peut l'aider à reprendre confiance grâce à son côté méthodique. Pour en savoir plus sur les Balances, découvrez Femme Balance, comment séduire à cette grande indécise. D'un côté, le Capricorne est exigeant, de l'autre, le Scorpion, 24 octobre à 22 novembre, est compétitif et tenace. Ce qui peut être bénéfique pour les carriéristes. Attention, ce mélange peut être explosif. Pour en savoir plus sur les Scorpions, découvrez Scorpion, un signe astrologique au sacré caractère. Si le caractère enjoué du Sagittaire, 23 novembre à 22 décembre, n'est en aucun cas terni par l'ascendance du Capricorne, il pourrait toutefois devenir bien plus sage en étant à la fois beaucoup plus prudent et structuré. Pour en savoir plus sur les Sagittaires, découvrez trois choses que vous ne savez pas sur les Sagittaires. L'ascendance du Capricorne sur le Capricorne, 23 décembre à 20 janvier, renforce ses atouts et ses faiblesses. Si sa force de caractère et sa volonté peuvent sembler inébranlables, il est parfois vu comme quelqu'un de rigide et trop exigeant. Pour en savoir plus sur les Capricornes, découvrez Capricorne, quel signe devez-vous fuir absolument? Avec la détermination qu'apporte le Capricorne, le Verseau, 21 janvier à 19 février, est prêt à vivre de nouvelles expériences. Il devient encore plus curieux tout en gardant le cap sur ses objectifs. Découvrez Femme Verseau, comment séduire cette amoureuse libre? L'ascendance du Capricorne a une bonne influence sur le Poisson, 20 février à 20 mars. Celui-ci est beaucoup plus terre à terre, ce qui lui permet d'atténuer certaines de ses angoisses. Pour en savoir plus sur les Poissons, découvrez les Poissons, un signe trop sensible. Pour en savoir plus sur l'astrologie, découvrez vous êtes ascendant Scorpion, ça change quoi pour votre signe ?